Bonjour à tous. Alors, je reviens pour vous montrer comment je fais mes capsules chat, parce que j'ai eu des demandes. Du coup, il vous faudra des capsules écrasées, de la ficelle, des yeux, les petits yeux comme ça, là. Hop, des petits yeux comme ça, voilà. Et des pinces. Il faut brancher aussi votre pistolet à colle pour qu'il soit chaud. Et c'est tout. Donc voilà, bah, c'est parti. Je vais vous passer sur mes mains pour faire un chat ensemble. Alors, on va essayer de baisser ça. Donc voilà, alors pour faire le chat. Donc on a besoin de trois capsules. Il en faut une capsule écrasée pour commencer. Donc voilà, là je vais prendre celle-ci. Ensuite, je vais prendre une capsule qui n'est pas écrasée que je vais couper. Donc là, c'est pas... on va couper le chapeau. Hop. Donc là, on va faire, on va dire, le petit nez du chat. Donc pour faire le nez du chat, en fait, je me suis servi de la base de la capsule qui est là. Ensuite, je viens écraser le reste de la capsule et le plier. On essaie de for en, fo en formant un cercle autour. Alors après, je rabats un peu les ongles, ça me donne ça. Après, je rabats juste les petits coins. Voilà. Donc là, on va couper trois petits bouts de ficelle. On va venir les placer au centre de la capsule. Ensuite, on va mettre un point de colle au pistolet à colle. Et là, on vient y poser le petit museau qu'on avait fait juste à l'étape précédente. Donc ensuite, on prend les deux yeux, on les colle. Donc là, je mets deux points de colle au pistolet. Ensuite, je viens placer mes yeux. Voilà. Donc bah là, le chat il est pratiquement fait. Après, on va faire. Il manque plus que les oreilles. Pour les oreilles, je vais récupérer toujours des capsules qui ne sont pas pliées. Pareil, on va découper les chapeaux. Grossièrement. Hop. Alors, ensuite, là, je viens plier le chapeau comme ceci. Voilà, j'essaye de l'aplatir. Donc là, on va plier. Hop. Ensuite, je le coupe en deux. Donc bah là, on a déjà une oreille qui va venir ici pour à peu près là. Alors pour la deuxième oreille, on va essayer de la rendre un peu plus. En fait, je fais les hauts des oreilles pointus, voilà, comme ceci. Donc là, on va tourner notre capsule. On va y venir y coller nos oreilles. Celle-ci, on va juste l'arrondir un tout petit peu. Voilà, ça nous donne ça. Donc bah là, on va en coller. Donc les yeux sont ici. Je la tourne, je vais en coller ici et ici.
On va venir coller nos oreilles. Donc là, on vérifie juste que le côté qu'on a plié comme celui-là, il soit... Voilà, je me suis trompé à l'intérieur. Enfin, il soit bien le côté qu'on où on voit... voilà, qu'on a plié. Il faut bien qu'il soit à l'extérieur. Comme ça, on ne le verra pas depuis derrière. Donc là, on va coller celui-là. Est-ce que ça va tenir? Non, la colle n'est plus assez chaude. Là, je vais tenir avec la pince. Ça évitera que je me brûle à nouveau les doigts. Et donc voilà, on a fait une petite capsule chat. Et donc je vais vous proposer de faire avec moi une autre capsule qui ressemble plutôt, on va dire, à une souris. Donc là, on va prendre une capsule aplatie, des petits bouts de ficelle, un pompon et des yeux toujours. Et donc cette fois, pour faire les oreilles, alors on va prendre à nouveau une capsule aplatie qu'on va couper en deux. Voilà. Ensuite, on va venir la plier comme ceci pour obtenir les oreilles. En fait, on... Voilà. Et on rabat ceci au centre. Là, il va falloir aplatir un peu l'arrière si vous voulez pouvoir les coller. Donc ben la pince, on tord et puis c'est tout. Voilà. La première oreille. Pareil pour la deuxième. Je viens tordre ça à la pince pour essayer que ce soit un peu plus plat. Donc là, on va commencer par coller. Par mettre un point de colle au centre pour faire le nez. Alors on met là les trois petits bouts de ficelle qu'on a découpés juste avant, le petit pompon, on attend 2 minutes. Bon voilà, alors là par exemple ça dépasse moins que de ce côté, ben on recoupe un petit peu. Ensuite on va venir coller les deux yeux. Alors attendez, hop. Donc on va mettre un petit peu plus de colle parce que là ça tient pas. Pour l'instant en fait la colle elle s'est infiltrée dans les points. Voilà. On colle nos yeux. Ça nous donne ça. Et ensuite on va venir y coller nos oreilles. Donc là je vais mettre un peu de colle sur le bord des oreilles. Directement à l'avant. Voilà, je fais un filet de colle, je vais venir coller la première oreille. Ah bah j'ai un œil, je sais pas pourquoi il veut pas tenir, absolument pas. Ensuite on va venir coller la deuxième oreille, on va faire pareil. On en colle le bord. Alors, je vais essayer de vous montrer. Hop. Et donc, mes yeux ne tiennent pas. Alors, en fait... En prendre deux autres, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi. Ça va pas tenir.
Alors la souris, je n'avais pas essayé avant de la faire avec vous. Donc voilà. Va attraper ça avec la pince. On va éviter de se brûler. Et donc voilà, une souris. Bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc voilà. Bah, merci beaucoup. Au revoir.